Waouh, c'est extraordinaire. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Yansouban. Dans cette vidéo, nous allons réagir sur comment était Abidjan il y a 3 ans, c'est-à-dire avant le confinement. En même temps, nous allons réagir sur comment Yansouban était il y a 3 ans. Soyez prêts. Nous allons juste aller au studio maintenant et découvrir cela ensemble. Ça va être chaud. Nous allons prendre vidéo par vidéo et essayer de voir ce que nous devons voir. Ça va être chaud. Hein? Qu'est-ce que ça vous fait de regarder votre album et de voir vos photos du passé? Hein? Qu'est-ce que ça vous fait? Est-ce que nous allons ressentir ici que Dieu nous guide? Mes frères et sœurs, soyez prêts. Nous avons pour l'objectif d'atteindre cette année les 100 000 abonnés. Nous avons déjà 47 000. Si vous voulez nous aider, abonnez-vous. Si ce n'est pas encore fait, activez la cloche. Et soutenez-nous chaque jour sur Nyons Reborn à 18h. Parce que chaque 18h, oui, sur Nyons Reborn, une nouvelle vidéo vous attend. Donc, soyez prêts pour la vidéo de demain. Ça va être chaud. Ça risque d'être un témoignage puissant. Soyez prêts. Ok, alors studio pour la réaction. Let's go. Nyons Reborn. Nyons Reborn. Ok. Comme vous pouvez le voir, déjà, ça a commencé. Là, nous nous trouvons au plateau. Regardez comment j'étais il y a 3 ans. Comme vous voyez, je sortais de marcher au plateau. J'allais juste dans une compagnie de téléphonie mobile. Et j'étais au plateau. Comme vous pouvez le voir, ça, c'est au plateau. 3 ans avant le confinement à Abidjan. Regardez, vous allez voir. Voilà. Et là, on continue, c'est un peu plus long au plateau. Voilà. Les gens marchaient tranquillement. Personne ne savait qu'il y aurait plusieurs années plus tard sur le problème que nous avons connu avec cette affaire de coronavirus. Les gens vaquaient tranquillement à leurs occupations. Voilà. C'est exactement ça. Et moi-même, j'ai arrivé dans cette compagnie de téléphonie mobile. J'étais tranquillement assis pour voir les gens sortir de vaquer les occupations tranquillement. Voici à quoi ressemblait Abidjan 3 ans avant. Et là, c'est au plateau. Regardez. Waouh. Comme vous pouvez le voir, c'est extraordinaire et c'est ça. Tout était calme. Nul ne sait ce qu'un jour peut enfanter. Là, je vois que Dieu avait raison. Regardez. Regardez ça. Regardez ça. Waouh. Un pays où il y a la paix, c'est un bon pays. Ça, c'est extraordinaire. Regardez les infrastructures. Comment tout était il y a 3 ans. Je ne sais pas si ça a changé. Peut-être que si ça a changé. Peut-être que je ferai une autre vidéo où allez voir s'il y a eu de nouveau. Si vous, bien évidemment, si vous aimez, si vous êtes nombreux à aimer cette vidéo, allez laisser votre j'aime. Peut-être qu'un jour j'irai là-bas pour voir comment ça se passe. Est-ce que ça a changé? Vous montrer la suite. Regardez un peu ça. Waouh. Et regardez. Et ça, c'est une vidéo que je faisais pour notre première chaîne YouTube Nyongo Company. Ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez également aller chercher notre chaîne YouTube Nyongo Company pour vous abonner ou encore voir ce que nous faisons là. Et là, j'ai filmé avec le Samsung Galaxy Note 3. C'était un moyen pour moi aussi de tester la qualité de la caméra. 13 mégapixels. Bon. Comme vous pouvez le voir, c'est extraordinaire. Et c'est même ça, regardez. Les immeubles. Ça, c'est au plateau, hein. Il y a 3 ans. Waouh. Là, c'est quand je me préparais à entrer dans cette compagnie en question là pour acheter un nouvel équipement. J'ai une box. Et vous allez voir, en ce moment-là, on ne demandait pas aux gens d'avoir
un mètre de distance. Regardez, en ce moment-là, personne ne parlait du coronavirus et tout ça. Et les gens étaient tranquillement. Regardez comment les gens sont assis. Ils sont assis tranquilles. Ils n'ont pas de problème à rendre à quelqu'un. Ils sont tranquilles dans leur coin. Comme vous pouvez le voir. Et c'était ça. Ah là là, on l'a pas bruit, ça c'est pas bruit. Voilà, dans le véhicule, les gens sont tranquilles. Voilà. Wow. Voilà. Voici à quoi ça ressemblait. Et voici à quoi ressemblait Union Seconde. Quand je me regarde comme ça, je me dis, mais what? Vous entendez? Quand je regarde ça, je me dis, ouh, il y a vraiment un changement. Le casque que vous voyez sur ma tête n'existe plus. Ce n'est plus là en ce moment. Ce casque est déjà gâté, hein? Je pense même que ça s'est cassé. Comme vous pouvez voir, si c'est cassé, vous voyez un peu le truc là. C'est là où il se trouve le curseur. C'est carrément cassé, j'ai dû acheter un nouveau casque, c'est celui-là que vous voyez sur ma tête. Je pense qu'on a fait une vidéo ensemble où je vous ai montré le casque quand j'y allais l'acheter et tout ça. Et ça encore sur le plateau. Hein. Plateau Côte d'Ivoire. Avant le confinement. 3 ans avant le confinement. Voilà, là je vous montre les choses, les vraies choses. Il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup, 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 beaucoup de choses à voir. Ça, c'est Coban, Côte d'Ivoire. Comme vous pouvez le voir. Regardez ça. Il y a un bus qui arrive dans le coup. Waouh. Voici à quoi ressemblait Abidjan. Voilà le plateau. À ce niveau-là, il y a un arrêt. Il y a un stationnement de bus ici. Waouh. Ça me rappelle quand même de vieux souvenirs. YoungStube, c'est l'une de nos premières chaînes aussi, hein. L'une de nos premières chaînes YouTube. Je pense que sur Instagram, YoungStube s'y trouve. Si vous allez sur Instagram, vous écrivez Nyangs, comme Nyangs Redbang, vous voyez, YoungStube, TUBE. Vous pouvez retrouver ce compte Instagram sur. Vous pouvez retrouver ce compte Instagram. Regardez. Abidjan Plateau, il y a 3 ans. Voici à quoi ça ressemblait. Et voici comment j'étais. En tout cas, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Le sac. Est-ce que vous vous rendez compte que même le sac, le casque, ce casque rouge, l'habit, toutes ces 3 choses même n'existent plus. Hein. J'ai tout remplacé. Ouais, comme la vie, oh! Tout change. L'homme a un perpétuel changement. L'homme doit évoluer, continuer à évoluer. Vanité des vanités, tout est vanité. Et si je me farotais ou bien je me bluffais juste à cause de ces vêtements et de ces casques, je l'ai dit 3 ans après avoir vu mes frères et sœurs. Ne vous réjouissez pas de ce que vous avez comme bien matériel. Ce sont les choses de vanité, quoi. Ça, c'est même la preuve. Toutes ces choses, ce sont là. L'ancien casque, le vêtement blanc, le sac, tout ça. J'ai tout remplacé. Comme vous pouvez le voir, on évolue, nous devons évoluer. Parce que notre Dieu, c'est le Dieu de l'évolution.
regardez, là, on vous montre. Regardez, il y a beaucoup de choses. Regardez, même ça, Côte d'Ivoire, il y a 3 ans. Regardez, quelle image! Waouh, quelle image! À ce moment, il prenait les premières photos avec un téléphone qui s'appelait Samsung Galaxy J7 Prime. C'est avec ce téléphone-là que j'ai commencé mes vidéos YouTube sur Young Support ici. Oui. Et regardez la qualité. Vous pouvez voir, vous pouvez également regarder cette qualité, la qualité de cette caméra et puis ce qu'on a maintenant. Vous voyez qu'il y a eu un changement. Waouh. L'homme doit tout le temps évoluer. L'homme n'est jamais fait pour rester au même niveau. Il faut changer. Si toi tu es orgueilleux aujourd'hui, demain là, il faut essayer de changer un peu. Ça va t'aider. Voilà. C'est extraordinaire. Regardez. Waouh. Quoi d'autre encore? Toujours plateau, réaménagement. Et on voit là-bas, c'était qui? C'était Messi, Messi. Juste ici, il y a le curseur Messi qui était là. On voit, il fait la promotion d'un téléphone Huawei. Waouh. Regardez, oh là, il fait un zoom pour vous montrer. C'est vraiment impressionnant. Hein? Ça, c'est vraiment de vieux souvenirs. Waouh. C'est vraiment impressionnant. Regardez-moi ça. Là, sur le pont, on voit le palais de la culture. Là-bas, c'est le palais de la culture. Là, où se trouve le curseur. Là, c'est le palais de la culture. Regardez. Waouh! Et tout ça, il y a 3 ans. Regardez comment c'était. Regardez ça. C'est quand même impressionnant. Encore la même chose. Les véhicules qui passent dans tous les sens. Vous voyez le passeport juste au fond là-bas. Est-ce que vous voyez le passeport? Waouh, regardez ça. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de changements. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été renouvelées. Il y a eu des créations. Ils ont créé de nouvelles choses. Il y a eu beaucoup de réaménagements. Beaucoup de choses ont changé. Ça, il était il y a 3 ans. Waouh, regardez les immeubles. Waouh, regardez ça. Waouh. Et ici, j'essaie de prendre, de faire une vidéo. Je pense soit une vidéo introductive pour notre chaîne encore une fois compagnie. Et regardez ce qu'il y a vu derrière. Un grand et gros pneu. C'est un truc de ouf, hein? La taille du pneu, ça me dépasse. Hein? Regardez la taille du pneu, un truc hors de commun. Le pneu est géant, gigantesque. Un truc de ouf. Toujours, tout ça, ça c'est la vidéo pour Yanko Compagnie, toujours. C'était notre première chaîne YouTube. C'est la première chaîne, la chaîne que nous avons créée avant Nyans Reborn. Nyans Reborn n'existait pas en ce moment-là. Sinon, si ça existait, c'était dès le début. Parce que Nyans Reborn a été créé le 6 juillet 2017. Ah, peut-être c'est 2 mois plus tard on a fait cette vidéo. Un grand pneu comme ça. Waouh.
Quand vous voyez ça quelque part, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sans doute qu'il y a, un endroit où on peut acheter la pneu ou faire réparer des pneus. Waouh! Et ici, c'était encore dans un autre endroit. Je ne sais plus exactement où c'était, mais j'étais dans un bus en ce moment-là. Je vois une vraie voiture. Regardez, ça, je pense que c'est une Peugeot. Regardez cette Peugeot-là. Regardez la voiture. Waouh, c'est quand même joli, hein. C'est l'une des voitures que... C'est l'une des plus belles voitures que j'ai capturées. Hein. Que j'ai vu ça ici, mais... C'est une Peugeot 3008. Waouh, c'est quand même étrange. En tout cas, c'est joli, hein. Moi, c'est ce que je pense. Dites-moi ce que vous en pensez dans la partie commentaire. Et ici, on voit que la voiture Peugeot. Et là, on voit que la voiture Mitsubishi. Ici, on voit que la voiture Citroën. Un truc de ouf. C'est quand même un truc de ouf, hein. Waouh, selon la qualité de la voiture que vous cherchez, vous pouvez en trouver ici, juste ici. Waouh. Quand même bien organisé. Ou bien. Ben, ça va. Ici, les gens se cherchent, les gens cherchent à réussir. Beaucoup ont besoin de moyens. En tout cas, ce n'est pas facile. Mais, si vous mettez votre force en Dieu, si vous avez confiance en Dieu, Dieu peut vous aider. Regardez ça. C'est quoi ça? JCP. On voit. Carrément, ici c'est pour acheter les grosses machines comme ça. Regardez la taille de la machine. C'est un truc hors du commun quand même. Voilà la taille. Ça c'est pour les agricoles, je pense, hein, ou bien les gens qui se travaillent dans les usines. Voilà, les gens sont tranquillement en train de faire ce qu'ils peuvent faire pour essayer de subvenir à leurs besoins. Regardez, on voit la maman, c'est sa famille. Voilà, elle essaie de se débrouiller comme on le dit chez nous. Se débrouiller pour pouvoir s'en sortir. Waouh! Ça, c'est où? Je pense que ça a 13 vies. Ça a 13 vies. Quand j'ai vu la femme qui court juste là, sur le camion, juste là, j'ai dit, mais what? Elle court, hein? Elle a même souri dans ça. Elle a même souri dans ça. On n'a pas de foie de chien. On voit les verreries plastiques. Bon, un peu de tout. Ça, je ne sais pas si ça existe toujours parce qu'il y a eu des. Ils ont fait beaucoup de modifications cette année. Mais ça, il y a 3 ans. Regardez l'homme qui se trouve sur. La moto, ah, il a porté son masque tranquillement et vous voyez, ça sent la joie. Ça sent la joie. Ça sent la joie. Regardez, ça, c'était il y a 3 ans. La joie, ça arrive. Oh, c'est chic. Moi, j'aime ça. J'aime beaucoup voir les gens heureux. Waouh, regardez. Il n'y a pas très longtemps que je suis à Abidjan. Je pense que en 2021, ça fera 10 ans que je suis à Abidjan. Je suis un nouveau. Mais je voyage beaucoup, comme vous pouvez le voir. Voici, regardez. Attendez, derrière, il y a un couple, il y a un couple. Il y a des jeunes gens. Ici, tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'argent pour avoir une copine. Tu peux être un homme simple et avoir quelqu'un qui va t'aimer. C'est le plus important de toutes les façons. Oui, regardez derrière. Là, je me trouvais sur le pont, le même pont. Voilà, ça c'était une année antérieure. Là, j'étais sur le pont, en train de faire une vidéo encore pour Yoko Company. Je pense que c'est ça, on va attendre. J'ai sur un problème, c'était la caméra que j'utilisais ici.
Galaxy, Samsung Galaxy G7 Prime, G7 Prime. C'est un téléphone qui m'a beaucoup aidé dans les débuts, hein. Vraiment. Et quand vous regardez nos anciennes vidéos, vous allez voir que les qualités sont pareilles, identiques. C'était la vidéo que c'était des caméras. C'était cette caméra, ce portable que j'utilisais pour filmer. Que pensez-vous d'Abidjan finalement? Ça, c'était il y a 3 ans. Peut-être que nous ferons une autre vidéo pour vous montrer Abidjan après le déconfinement, le jour. Puisqu'on vous a montré la nuit dans la prochaine vidéo. Je pense que peut-être on va faire une autre vidéo pour vous montrer le jour, pour voir comment ça évolue et comment vous pouvez vraiment investir dans le pays si vous avez vraiment envie d'investir. Waouh! Là, comme vous pouvez le voir, il y a le port, il y a tout, il y a tout ceci, c'est ce que j'essaie de vous montrer, c'est intéressant. Waouh! Regardez, ça c'était il y a 3 ans, regardez comment j'étais il y a 3 ans. Est-ce que vous avez regardé comme que vous avez 3 ans de mon âge? Et ça correspond à ça. On peut dire ça de nous tromper qu'on évolue quand même. Quand tu prends de l'âge, tu prends grandir en maturité. Même physiquement, il y a des changements, ça se voit. Je regarde tout ça. Waouh. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Waouh. Encore bien. Oh, où est-ce qu'on se retrouve? Au plateau. On se retrouve au plateau. On se retrouve au plateau avec les gens. Waouh, il y en a qui passent, qui vont à leurs occupations. Je pense qu'en ce moment-là, il y allait dans cette banque-là. Voilà, j'avais rendez-vous dans cette banque. Donc, je me dirigeais. Si, si. On se donne rendez-vous demain à 18 h pour la prochaine vidéo sur. Non, c'est pas. Dites-moi ce que vous avez pensé de toutes ces vidéos. Vraiment, moi, ça m'a rappelé beaucoup de souvenirs. Je suis impressionné. Mais, oh, vous vous rendez compte que même ce que j'étais dans la main, la serviette n'existe plus. Seul le vêtement que vous voyez que je portais là existe juste sur l'habit. Sinon, tout a changé 3 ans plus tard. Beaucoup de choses ont changé. Et waouh, regardez. Je vais quand même rire. Ok, ça va être tout ce bonheur qu'on va se laisser pour aujourd'hui. Et comme on vous a dit, abonnez-vous, activez la cloche si vous ne voulez pas manquer la prochaine vidéo demain à 18 h. Et si vous voulez nous aider à avoir 100 000 abonnés avant la fin de l'année, vous savez ce que vous devez faire. Partagez nos vidéos et incitez d'autres personnes à s'abonner. Et soyez prêts parce que ça va être chaud pour la prochaine vidéo sur Nyanx Reborn. Ok, c'est parti. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Let's go.